Nous voici à Pommiers de Beaurepaire, devant la médiathèque et la mairie, où nous espérons trouver le sport préféré des Français. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, alors je m'appelle Clotilde, j'ai 44 ans, je crois. Je suis maman de 3 enfants. D'accord, merci. Est-ce que vous pratiquez un sport au quotidien? Oui. Alors, tous les lundis, on s'entraîne au touch. Alors, le touch, c'est du rugby sans touche, sans plaquage. Et en fait, on a monté une équipe de filles à la Côte-Saint-André depuis cette année. Voilà, et on fait des tournois. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi ce sport? Alors, le rugby, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. J'en ai toujours fait, mais j'ai toujours fait beaucoup de sports, du rugby, du tennis, du volley, de la natation. Et en fait, en arrivant ici, j'ai continué un petit peu, alors pas dans le rugby, mais après avec les copines, on s'est dit, tiens, on va remonter une équipe de rugby filles, voilà. D'accord. Et est-ce que pour vous, ce serait imaginable une vie sans sport? Absolument pas. J'en fais tous les jours, soit du vélo, soit de la marche, soit du fitness, soit du rugby. Et du coup, à votre avis, c'est quoi le sport préféré des Français? Le sport préféré des Français? La rando, peut-être. Le tennis. Ah, d'accord. Je sais pas, peut-être le rugby, j'en sais rien. Les statistiques nous montrent que le sport le plus pratiqué et regardé en 2023 en France est le football.